Ça fait longtemps que j'attendais les oreilles. Regarde-moi. Il était hors de question que j'achète ce jeu. Day One. Et pourtant, je voulais l'acheter. Et quand j'ai vu que c'était le même jeu que l'original, j'ai décidé de jouer en émulation, en méga fluide et beaucoup plus beau. Ouh là là, ça ne s'affiche pas. Mais non, tu fais ça, tu fais ça. Mais non. Tarada. Tu te prends là. Hop, ça s'affiche là et tu l'as là. Et tu l'as là. Voilà. En 5-5-6 coups et les grenades. Bonjour à tous, c'est le Format Lunette et aujourd'hui on va tester Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Breath of the Wild 2. On est sur l'émulateur Yuzu, il était hors de question que je paye pour le même jeu. Ils ont fait aucun effort Nintendo. Je vois pas pourquoi je fais un effort. On va tenter l'intentabilité elle-même. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Si vous êtes pas prêts, c'est pas de ma faute. On va essayer de longer le rail à pied. Qui fait ça? Qui fait ça, mis à part le forban lunette? Il n'est pas net. Ouah, mais je le vois en bas le truc là. Le truc des extraterrestres. Pour les champs américains. Alors là, les amateurs de vertige se régalent. Oh, si je fais de la merde, ne rigole pas. Attends. Concentrations. Taper un sprint. Attends, on en est où? Oh, on est bientôt arrivé. Ben voilà, tu vois. Hop, hop, allez, cours. J'en fous. Et voilà! Oh là là, le génie. Oh, ce génie de l'impossible. Je l'ai enregistré, je l'ai capté. Respectez-moi dans la Tessie. Voilà, merci.